c'est le dimanche de l'Épiphanie. Oh là là! Je me rappelle quand j'étais jeune, à l'église, il y avait cette crèche, et les personnages, les rois mages, arrivaient seulement sur cette date. Et c'est magique, hein? Quand tu es enfant, c'est tout le monde mystérieux. Et puis, je me rappelle qu'il y avait un petit ange à côté des rois mages, puis on y mettait 5 sous, 10 sous, 15 sous dans mon temps. Et alors que la petite tête a bougé, merci, merci. Mais ça reste, hein? Mais quand on est rendu plus vieux, plus vieille, on commence à réaliser, c'est quoi ça? Les rois mages, ceux qui ont suivi l'étoile de l'Orient pour trouver l'enfant Jésus. Je vous lis le texte qui nous vient de Matthieu, chapitre 2, de 1 à 15. Excuse, de 1 à 12, voilà. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi d'Hérode. Voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et toute Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'acquiert auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Judée, lui dire, car c'est ce qui est écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite des chefs lieux de Juda, car c'est de roi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que, moi aussi, j'aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route. Et voici que l'astre qu'il avait vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une grande joie. Entrant dans la maison, ils verrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant et lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Et voilà. C'est ça, c'est le texte du dimanche. C'est grand, hein? C'est grand. C'est... ça date pas d'hier, ce texte-là. C'est... ça nous a été raconté, et puis c'est tellement un petit côté mystérieux, la recherche de Jésus. Vous savez, Saint Paul, je me demande s'y a-t-il découvert le mystère du Christ par peut-être une révélation particulière. Paul a-t-il raison? Ou bien Paul ne fait-il que révéler une évidence que l'on avait oubliée? Le mystère, là, le mystère qui est révélé par Paul, là, se retrouve déjà au cœur du livre de la Genèse. L'acte créateur de Dieu concerne l'humanité entière. En Adam et en Ève, ce sont déjà tous les hommes
qui entre dans l'alliance et dans la relation d'amour qui lie Dieu à l'homme. Tous les hommes sont faits à l'image de Dieu. Toute la création est une œuvre divine. Il n'y a pas de différence faite entre les hommes. Les patriarches, on sait beaucoup de ce mot-là dans la Bible, qui ne sont pas juifs, illustrent une promesse de salut et d'alliance qui concerne tout homme qui se met à l'écoute de Dieu. Cette promesse, hein, on se rappelle qu'elle était faite à Abraham, concerne toutes les familles de la terre. Donc l'amour de Dieu là, et le salut ne sont pas pour quelques personnes privilégiées ou quelques élus. Ils sont pour tous les hommes et les femmes de la terre. Les mages sont là pour nous dire à nous que ce qui avait été annoncé par les prophètes se réalise en Jésus-Christ. Tous les peuples de la terre, d'Afrique, d'Asie, d'Europe, sont là pour reconnaître la gloire de Dieu en ce petit enfant juif, sauveur de l'humanité tout entière. Ce que Paul révèle, c'est une vérité, hein, oubliée aussi, ou bien niée par chacun de nous qui se veut différent des autres et qui aime bien les relations humaines fermées. Dieu est le sauveur de toute l'humanité, juifs et païens, hommes et femmes, esclaves et hommes libres. Paul n'a donc pas inventé l'eau chaude, mais il nous fait redécouvrir ce que nous avions oublié et nous rappelle que l'appartenance à l'Église n'enferme pas, mais au contraire, nous ouvre à tous les hommes, quels qu'ils soient. L'Épiphanie est la fête qui révèle à tous les hommes de tous les continents que Dieu est venu pour tous et que tous les hommes sont ses enfants bien-aimés. Et si nous avons peur de le partager, rassurons-nous, l'amour de Dieu est bien assez grand pour tous. Voilà. Bon dimanche de l'Épiphanie. Et prenez ce temps-là pour le méditer. Je pense que ça vaut la peine. Hein? Donc, voilà. Continuez de sourire. C'est la fin de nos grandes vacances. Et bonne journée.